la grâce provisoire de l'Église. Pendant que m'a rappelé à la congrégation qui est dans les zones métropolitaines, c'est pour faire des efforts pour que, depuis jeudi, nous avons annoncé à Zonio que nous avons que nous tous participer dans l'activité. Donc, nous demandons, s'il vous plaît, de faire une suggestion, ça, ma foi, vite à la fin du mais nous avons des congrégations qui sont créées, mais permettent que nous parlions d'un culte nous-mêmes pour permettre à ces bien-aimés de participer dans une grande célébration d'activité que nous avons bien là, parce que vraiment, nous avons compris l'activité missionnaire à travers la prédication qui a faite. Et nous, comme nous l'avons annoncé, nous avons trois missionnaires qui avaient rentré pour prêcher pour nous et qui avaient accompagné de nos solistes qui doivent prêcher chaque soir. Et donc, comme ça, nous avons demandé à nos mes amis que nous avons invité déjà, nous avons demandé sur Esther, sur Ricardo et sur Sonia pour qu'ils soient capables de nous avant l'activité Sayon, mardi et si Dieu veut. Ce sont là, comme nous disons, les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme tel, il s'en a offert, nous besoin continuer jouir. Double portion de grâce qui dit qui ça? Grâce, grâce. Double portion de grâce, je dis quoi? Grâce, grâce. Et maintenant, nous sommes capables de continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, car la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église, et dans ce cas, nous pouvons dire ensemble, Maranatha, Christ revient, par Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et maintenant, frère Maximio, avant que nous coupions la prédication du jour, je vous rappelle que après la prédication du jour, la chorale harmonie des élus pour être capable d'exécuter dernier numéro lit. Et vous profitez de cette occasion encore une fois pour continuer à encourager Corala, car nous connaissons que c'est un Corala qui est exercé dans des conditions les plus difficiles. Maintenant, on a regardé que, on va prendre un joignot là, on a besoin de dormir là. Mais c'est la grâce, c'est ça qui a fait tous les signes. Donc, mon Dieu qu'on est bien pour être capable de fortifier nous. Donc, il y a bien pour chanter pour nous. Mais le prédicateur de ce matin, c'est le pasteur Jeannot Julien, originaire de Plaisance, et Freddy avait dirigé l'église baptiste de Pilat, c'est ancien pasteur de l'église baptiste Sion, de Saint-Michel de la Talaye, que le pasteur Abraham Lubin avait dirigé dans le temps, et c'est membre du conseil d'administration de la société biblique haïtienne. Nous disposons pour nous capables d'écouter la prédication du jour. Et dans ce sens-là, nous invitons toute assemblée avec auditeurs, quel que soit à côté qui est oublié, préparez-nous et nous allons chanter cantique d'évangélisation. Il y a chaque monde qui peut prêcher, chrétien miséricorde, dit-il, il va pas vous la paix, la mettre en ordre. Venons avec nous, qui peut aller dans la gloire pour habiter là tous les jours, côté tout le monde en joie, seulement pour lui, seulement pour lui, la sauver. Moi, évidemment, je vais vous faire un maximum. Nous allons pouvoir chanter quand il s'agit de le numéro 44 en écrivant c'est le numéro. Parce que je suis blessé,
Ça, c'est le thème que je vais soumettre à moi-même dans l'occasion spéciale, si là. Et pour que nous soyons capables de contextualiser beaucoup plus ce thème-là qui est en pile importance, nous devons ajouter simplement deux mots là-dedans. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Lumière, Jésus, avant sa montée au ciel, avait institué son Église sur la terre avec la noble mission de proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la création. Il ne l'a pas placé dans le ciel, mais de préférence au cœur de ce monde pervers et corrompu. Cela soutient que, mes chers amis dans le Seigneur, le Jésus sauveur, le Jésus libérateur, dans sa compassion, a vraiment un plan de salut pour l'humanité tout entière. L'Église, comme inspiration divine, est capable de considérer comme un lieu de prise de conscience, un lieu de transformation et un lieu de réconciliation. Et tant que tel, sa vision, ses œuvres et son message doivent être vus et entendus par tout de chacun, ici et ailleurs. C'est sans nul doute dans la même perspective missionnaire et chrétienne qu'il a, que responsable de la première église de baptiste de Port-au-Prince, est arrivé à élaborer ce thème combien contextuel, combien important, basant sur l'évangélisation et la missiologie qui dit comme ça, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église. Félicitations, pasteur, félicitations aux responsables de cette Église. Le thème est bel et bien choisi, car il est unanime de croire que seul l'évangile de Jésus puisse apporter un changement radical de la vie humaine de ce siècle, des gens de ce siècle et de celle à venir, de l'autre génération qui vient pour venir. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est une nécessité pour l'Église aujourd'hui. Et d'après Romains chapitre 1er verset 16 et 1 Corinthiens 9 verset 16, qui est au moins quatre raisons qui est à la base de cette nécessité. Si nous disons que la prédication de l'Évangile, c'est une nécessité pour l'Église, qu'il y ait quelques raisons pour ça. La toute première raison, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est seul l'Évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Seul l'Évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés, l'homme de toute race, de toute couleur et de toute culture était considéré comme des ennemis de Dieu. Ils étaient esclaves de péché. Ils étaient esclaves des œuvres de la chair. Ils étaient esclaves de ce monde corrompu. Ils étaient esclaves également de Satan, le diable. Ils n'ont pas dégainé aucune espérance pour la vie future. Et par contre, acte de condamnation, l'idée écrite sous Dieu, un lettre capital, un gras, pour dire que Monsayo, destiné, c'est l'enfer éternel. Mais nous ne pouvons pas ignorer que moi-même avec vous, nous démarrons ça tout. Oui, nous démarrons cela qui est destiné à la perdition. Mais heureusement, lorsque nous avons accepté Jésus dans la vie, lorsque nous avons cru dans le